contre les changements climatiques. Marche mondiale qui va se dérouler pas seulement à Paris, mais également dans plein de villes de France et partout dans le monde, pour interpeller les politiques, pour leur expliquer que nous, on a les solutions et qu'on veut une transition. Première date. Rendez-vous ensuite le 5 et 6 décembre, le week-end du 5 et 6 décembre à Montreuil, au Village mondial des alternatives, au sommet citoyen, où on va expliquer que les solutions, elles existent. On va dénoncer les responsables, parce qu'ils existent eux aussi. Deuxième date, j'espère que c'est noté et que je ne vais pas trop vite. Troisième date, du 7 au 11 décembre, nous serons tous à la zone d'action pour le climat, dans l'espace 104, dans le 19e arrondissement de Paris, pour une semaine de construction ensemble, pour tous les citoyens qui veulent s'engager et qui veulent aller plus loin. Et enfin, nous serons tous là, et j'espère que vous serez là aussi, le 12 décembre, à midi 12. On a essayé de vous simplifier les choses, vous avez juste à retenir le chiffre 12, pour le plus grand mouvement pour la justice climatique, ici à Paris, avec tous les internationaux qui vont nous rejoindre, parce qu'on a un message indispensable à délivrer aux politiques qui seront réunis à la COP21. C'est que quoi qu'ils signent, quoi qu'ils disent, ça ne s'arrête pas à Paris, ça n'est que le commencement de quelque chose de bien plus important, et que ce changement, c'est nous qui allons faire, et qu'on va l'exiger et le revendiquer tous les jours. Donc franciliens, parisiens, citoyens, on compte sur vous !